Je suis malgache, je fais ma vie en France et je pense toujours à mon pays d'origine. En 2004, j'ai quitté Madagascar, j'ai repris mes études en France, j'étudie l'économie du développement et l'histoire économique contemporaine. Je me suis engagé dans la vie associative, c'est juste pour une satisfaction morale. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un poste ministériel pour développer le pays. J'ai créé tout simplement une petite structure afin que je puisse travailler normalement. L'école que vous voyez en face, c'est une école qu'on a reconstruite en 2015. L'école de couleur bordeaux, les portes blanches en face là. Et donc, les élèves des villages qui aux alentours font de 1 km à 5 km pour y aller. On a choisi cette commune Saputinamatuna pour implanter une nouvelle école qui comprend 5 salles de classe, une salle pour la direction et une salle pour un hangar. Bon, c'est grâce à ce monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste qu'on a obtenu ce terrain, plus de 2000 mètres carrés et à titre gratuit. En France, on a enregistré plus de 2000 associations qui œuvrent pour Madagascar. Et à Madagascar, il y a 1800 communes. Si une association s'engage à développer une commune, le développement du pays sera très rapide.